question essentielle. De quoi? Bah, Abraham était juif. oui. C'est peut-être essentiel pour un malékiste. Mais je sais pas où tu veux en venir à ta question. Je pense que depuis tous les appels que tu as fait, et entre autres, même avant que tu fasses tes appels, après toutes les réponses que même Malek lui-même il a reçues sur YouTube, je pense que vous avez un petit peu compris la chose. Non, bah, est-ce que tu peux me répondre à cette question alors? Selon Bah toi, oui. comment tu vois la chose? Oh, oui. Bah, que Abraham n'était pas juif. Donc la terre promise, c'est pas aux juifs. Alors ça, c'est deux choses différentes. Déjà, c'est Abraham, mais il n'est pas juif, il était quoi? Il était croyant, tout simplement. Ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi la terre d'Israël, elle serait pas... c'est quoi que tu as dit? Elle serait pas... elle appartiendrait pas à Israël parce qu'Abraham n'était pas juif, c'est ça que tu m'as dit? Oui. Alors moi, j'ai entendu dans tes appels que tu as dit à un rave que tu te considérais comme juif et que tu suivais la Torah et que tu pratiquais la Torah. Est-ce que je me Oui. trompe ou c'était une blague ou comment ça se passe? Non, c'est pour. Bah, si moi. C'est pas une blague du tout. Pour toi, c'est quoi la définition d'un juif? Parle juif, qu'est-ce que ça veut dire le mot juif ou Oui. c'est Oui. quoi la fonction d'un juif? Non, la définition. Le mot juif, si je me trompe pas, ça veut dire qui rend gloire au Tout-Puissant, ça vient de l'Hodot. Non, mais il Donc, faut. dans ce sens, si on prend le terme original, on peut dire qu'Abraham était juif. Après, est-ce qu'il était juif en tant que ligné? Non, il n'était pas, là je suis d'accord, il n'était pas juif en tant que ligné. Oui. On est d'accord. Maintenant, est-ce que ça en fait un argument pour dire que la terre d'Israël n'appartient pas au peuple d'Israël? Moi, je t'arrête tout de suite et je te dis que non. Tu vois. C'est-à-dire que si tu penses réellement que parce que Abraham n'est pas de la lignée juive, mais c'est le patriarche des juifs, si à partir de ça veut dire que la terre d'Israël, elle appartient pas au peuple d'Israël, c'est-à-dire que toi, t'as pas lu la Torah, ou alors que tu la connais, ou alors que tu la suis pas, tu vois. Bah pourquoi? Parce que c'est écrit clairement dans la Torah que le Tout-Puissant l'a donné à la terre au peuple d'Israël. Il a C'est-à-dire, donné la, tu vois ce que je veux il a dire? donné la terre à qui? Aux Israélites, c'est-à-dire aux... Oui. Mais Ishmaël, c'est bien un descendant d'Abraham. Oui, bien sûr. Donc c'est un Israélite. Eh non, il n'est pas de la lignée israélite. Comme tu as dit, tu vois, comme Abraham lui-même, il n'est pas israélite, puisque c'est le patriarche. Si Abraham, il était israélite, Ishmaël serait son fils. Donc bien sûr qu'Ishmaël serait israélite aussi. Et la lignée d'Israël, tu sais qu'elle commence avec Israël. Israël, c'est qui là pour toi? Dans la Torah, c'est qui Israël? C'est les enfants d'Israël, bah la descendance de Abraham. Ouais, là, regarde, t'as Abraham qui a fait des enfants dont Yitzhak et Ishmaël. Et Yitzhak, son fils, c'est Jacob. Et Jacob, c'est Israël. Donc les bnei Israël, ce qui veut dire les descendants d'Israël, les fils d'Israël, c'est tous les fils de Jacob. Toute la descendance après Jacob. Donc il Oui. remonte, oui, qu'il y a un patriarche Abraham. Bah, Abraham, il a fait aussi, il a donné la lignée ishmaélite. Tu veux, c'est une autre lignée. T'as la lignée israélite et la lignée ishmaélite. Mais pour toi, le D'ailleurs, pro. tu regardes bien, regarde, tu regardes bien. Ça, d'ailleurs, même le Coran, il est très clair et l'islam est très clair là-dessus. Les ishmaélites qui sont en Arabie, c'est à la Mecque. La Mecque, Médine, c'est les lieux saints, c'est là où il y a le pèlerinage obligatoire, c'est vers là où sont dirigées toutes les prières des musulmans. Et c'est exactement pareil chez nous, sauf que tu remplaces Mecca et Médine par Jérusalem, par Israël. C'est-à-dire que nous, notre terre promise, la terre sainte, c'est Israël. Là où on fait les prières et le pèlerinage obligatoire, c'est à Jérusalem.